les Chinois, ils ne peuvent pas se contenter de la situation actuelle. Ils doivent prendre en compte leurs responsabilités, leurs devoirs. Et en ce qui concerne les droits humains, ils doivent absolument améliorer la situation. Ça ne peut pas continuer comme ça, comme c'était jusqu'à maintenant. Ce n'est pas possible. En ce qui concerne les procès, les détentions, la torture et les mauvais traitements dans les camps, ça c'est pas concevable. Enfin, si la Chine se veut un grand pays, elle se doit aussi d'avoir une politique à la hauteur sur le plan des droits humains. Que la Chine change, elle ne peut plus continuer avec cette situation des droits humains qui est insupportable. Et elle a, pour les Jeux Olympiques, une forte responsabilité. Elle doit montrer au monde qu'elle est déterminée à devenir une vraie démocratie et en finir avec tous les problèmes de censure ou les problèmes de peine de mort. Voilà, donc c'est l'occasion ou jamais pour la Chine, ces Jeux Olympiques, de montrer qu'elle est une vraie démocratie et qu'elle respecte les droits humains. Alors les Jeux Olympiques, je n'ai absolument rien contre, j'aime le sport, je regarderai sans doute à titre personnel les Jeux Olympiques, mais je trouve que la Chine doit respecter ses engagements et je ne peux pas regarder le sport sans penser à tous les gens qui ont été victimes de violations des droits humains. Il faut penser à ces gens-là aussi et les soutenir, donc c'est aussi par solidarité que je participe à cette action aujourd'hui. À l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin, Amnesty demande à la Chine de respecter les engagements qu'elle a pris pour améliorer la situation des droits humains dans son pays. Aujourd'hui, symboliquement, nous faisons voler des cerfs-volants pour témoigner de notre soutien au peuple chinois. Je pense que les droits humains sont aussi la façon et le droit de colorer sa propre vie avec ses propres couleurs, sans être le dessin de l'imagination ou du désir de quelqu'un d'autre. Et j'espère que la Chine un jour se réveillera pour comprendre aussi ça.